Je vais d'abord vous emmener dans les Écritures pour vous expliquer sur quoi le souffle nouveau. Le premier passage que nous allons lire, c'est Ézéchiel 37, à partir du verset 1 au verset 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de saumons. Il me fit passer près d'eux, autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur aux saumons desséchés. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Dans le passage que nous venons de lire, on nous parle des enfants d'Israël. Dieu a emmené son serviteur en esprit, lui ont montré les ossements desséchés. Et Dieu lui pose la question. Ces ossements que tu vois là, tu penses qu'ils pourront-ils revivre? Le serviteur de Dieu dit, toi, Père, tu le sais. Et Dieu va lui dire, ces ossements que tu vois, ça représente l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel ici, c'est des chrétiens que nous sommes, c'est l'Église de Jésus-Christ. Mais comment l'armée de l'Éternel va se retrouver dans une position de mort comme étant les ossements desséchés? La Bible explique en un mot, ils avaient beaucoup de soucis, leur cœur était rempli d'inquiétude, les circonstances qu'ils traversaient, ça amenait la mort dans leur vie. Et Dieu va dire au prophète de souffler un souffle nouveau. Il va dire de prophétiser un souffle nouveau. Et quand le prophète a commencé à prophétiser, il y eut un bruit. Et j'aimerais vous dire, pendant ce 21 jours, il y aura un bruit. Je ne sais pas quelles sont les circonstances qui t'ont mené dans une situation de mort. Je ne sais pas quels sont les problèmes qui ont apporté la mort dans ta vie de prière, la mort dans ta vie financière, la mort dans ton intimité avec Dieu, la mort à tous égards. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pendant ce 21 jours, le Seigneur va apporter un souffle nouveau. Quand on parle d'un souffle nouveau, on parle d'un nouveau départ. Quand on parle d'un souffle nouveau, on parle d'un recommencement. Pas selon notre chair, nos efforts, mais selon le Saint-Esprit. Pendant ce 21 jours, l'Esprit de Dieu va apporter quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Donc je vous invite. Je vous invite, du 1er novembre au 21 novembre, nous allons vivre de moments vraiment extraordinaires avec le Saint-Esprit. À cet effet, il y aura plusieurs éminents serviteurs de Dieu qui vont nous entretenir, des serviteurs de Dieu qui vont nous bénir. Donc, bien-aimés, ne rate pas ce rendez-vous avec l'Esprit. C'est le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et je crois que l'Esprit de Dieu va nous restaurer. L'Esprit de Dieu va nous rétablir. L'Esprit de Dieu va nous équiper. Et l'Esprit de Dieu va nous remettre dans la course. Soyez richement bénis. Ne viens pas seul. Invite ton frère, invite ton ami, invite même les dragueurs, invite toutes les personnes que tu peux inviter parce que ce jour-là, le Seigneur va nous faire du bien. Je vous bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen.